attendant. Vous les attendez, nouvelle entrée des joueurs. Attention, let's welcome the players. C'était les championnats du monde aujourd'hui. Mais c'était il y a 20 ans. Et moi, je vais vous poser une question. Est-ce que tous les deux, pour fêter cet anniversaire de 20 ans, vous seriez prêts aujourd'hui à rejouer cette finale, Jean-Michel? Ben moi, j'attends que ça. Ça fait 20 ans que j'attends, donc je suis chaud. Jean-Philippe, hein. J'ai jamais été aussi serein qu'aujourd'hui. Je rêvais d'une finale en France et je suis quasiment sûr du résultat. C'est juste du bonheur absolu. Les garçons, alors je vais vous proposer de prendre vos raquettes qui sont derrière, de vous mettre en tenue. Et ça tombe très très bien, on va pouvoir rejouer au moins un remake. Qu'est-ce que tu lui as dit en lui serrant la main, Jean-Michel? Qu'est-ce que tu lui as dit en lui serrant la main? Non, il avait presque oublié de me serrer la main. Mais c'est ça. Tellement il est concentré, mais il a oublié que c'est... Les règles ont changé, Filou, maintenant. C'est en 11 points, les 7. C'est vrai qu'à l'époque, c'était en 21. Ça va aller, c'est pas trop dur? Just to remind him that the rules have changed since 1993, because this is the birthday of the victory of Jean-Philippe Gatien 20 years ago, when he became world champion. And he wants to replay a few points from the final of 93. And Jean-Michel Save was telling him that the rule has changed. It's now in 11 points and not 21. But he will play in 21. Ils vont rejouer au moins... Une manche, au moins une manche, peut-être la dernière, un peu reprendre ce qui s'était passé lors de cette dernière manche avec l'arbitre de la rencontre, Jackie, qui sera donc rouge. À leur côté. Rouge qui gagne. Vous êtes français? C'est un signe, j'ai déjà gagné le tirage au sort. Il a toujours été comme ça? Là, on est à l'échauffement. Ah, c'était il y a 20 ans. Hein, alors, Jean-Mi est encore sur le circuit, puisqu'il a joué ses championnats du monde. Jean-Philippe a arrêté il n'y a pas très longtemps. Ah, il y a des beaux restes, non? Guys, to welcome the international feed, just a few words in English. What would you like to do today? Qu'est-ce que vous voulez faire pour nos amis internationaux qui vous écoutent en anglais? Just winning another world champion title for me. Another title, Jean-Michel? No, I want to win the world championship title, finally. Oh, il a l'air chaud. Oh, bah. Je la sens bien quand même. Tu pourrais moins rater, j'avais.
Il n'arrête pas de courir, moi, ici. I'm ready, said Jean-Philippe. Je vais demander de les applaudir très très fort. On est en train de rejouer la réplique de la finale de Gueux-de-Molo en 1993 pour Jean-Mi, 93 pour Jean-Philippe. Premièrement, c'est merci à Jean-Philippe. Tout le monde. Jouer à domicile aujourd'hui. C'est un vrai match. C'était les champs de l'époque. Ouais, mais non, j'ai toujours fait comme ça. Donc c'est un vrai match. D'accord. Let l'arbitre. Ça t'en faisait beaucoup aussi. Ils sont meilleurs qu'il y a 20 ans, les arbitres. C'était partagé comme ça, non, à Göteborg? Ils sont trois. Il y a trois amis belges. Ya! Tchou! Je sais pas si elle a pas touché de mon côté. Non? C'est pas ce que tu vois, non, toi? Non, c'est bon. Yes. À toi. C'est énorme ce que fait Jean-Mi. Pas mal. On sent que t'as envie de changer le cours de l'histoire quand même. T'es en mort, Philo. Il a envie de changer le cours de l'histoire. Par match. Merci, ça va? Ouf. Je peux dire un mot ou pas? Oui. Merci à tout le monde d'être venu parce qu'aujourd'hui c'est un. La Pentecôte, vous savez, c'est un jour de solidarité pour la vieillesse maintenant. Et on apprécie avec Jean-Mi que vous soyez là, vraiment. Bien vu. It's a day in France which is a day off, and there is a participation for the seniors. For the old ones, for those people who are not working, they're selling it, the money to the seniors. Just wanted to explain. Est-ce que t'as vu la gonzesse là-bas? Rio, trois partout. Tu. Sois concentré, Jean-Michel. Trois, quatre. C'est plus que c'était, c'est vrai. Bon. Yeah. Ah, pardon. Quatre, quatre. Four all. Quatre partout.
Merci. Je suis à fond là. Chercher généralement une serviette. Alors j'ai que ça, c'est un chiffon. Que ça, tu prends un peu de temps. Voilà. Allez, tranquille. Vous avez un résumé en un seul point de la carrière de Jean-Michel Seb, de la chance. C'est le summer of one point. Jean-Michel Scary. Tu veux ton temps mort là ? Pardon. 5-4. 5-4. 5. Attends. 5-4. Je suis prêt. Ça va ? C'est dur. Oh non ! Très bon. Il est difficilement prenable celui-là. Belle barre pour un gris. Les flashs, ça me gêne à chaque fois. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y en avait pas en 93, hein, des flashs. Un peu lourd. D'accord. C'est ça qui t'a manqué parfois. Ah, c'est vrai, ce soutien du public. Allez. Ah oui. Oh. 7-5. Gassien en revers, mais allô quoi. It's difficult to translate this. Je pense qu'ils n'ont pas la télé-réalité de la même façon que chez nous. Merci Jean-Michel. C'est partout, 7-1. Too much hair coming in. Est-ce que je peux prendre un time-out? Si, on peut lui donner. On a droit. Temps mort? T'as le droit, oui. Parce qu'il a besoin d'un temps mort. Oui. Parce qu'il y a... Dis-moi. Comme on est 20 ans en arrière, il y a mon entraîneur d'il y a 20 ans qui est là, Christian Martin, qui était derrière moi, donc si je peux l'appeler. C'est vrai qu'il n'a pas de coach, toi non plus. Alors, attends, est-ce qu'il est là, Christian ? Est-ce qu'il est dans le coin ? Le coach de Jean-Philippe Gassien, 93, Christian Martin. Salut, Christian. Comment ça va ? Tiens, on va prendre un petit micro. Christian, qu'est-ce que tu peux lui dire ? Vas-y, tu vas faire le briefing avec lui. Vas-y, non, prends le micro. Ouais, mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose à dire ce soir. Hein. Pas au micro, il va entendre. Si, si. Ça ne fait rien, il n'a pas de coach, tu lui dois bien ça. Non, mais on s'en fout, il va perdre. Filou, sur ce que j'ai vu, t'as intérêt à jouer en revers. Ah ouais. Ça a toujours été ton point fort. Ah, t'as changé, toi. C'est ça pas va. Le même entente qu'en 93. Christian, tu restes avec nous, il a besoin de toi. Oui, j'en ai bien peur. Voilà. 7-7. Oh, bien, Christian. 8-7. 8-7. Moi, je te l'avais dit. Sur le revers.
Non, mais pas de coaching pendant le jeu, mais Filou. Oh, je sais pas s'il va tenir, mais il est chaud! Il est chaud, mon Philippe! Ouf. Ah oui, c'est, ça change tout. Tu veux faire venir ton coach? Doucement, Philou, doucement. J'ai joué en Diego. Oui. T'aimes bien te foutre de moi, hein, c'est ça? Comment? T'aimes bien te foutre de ma gueule, c'est ça? Ben, à défaut de gagner. You like to have fun on me. No. Yeah! 9-0. 9 partout. Dans une minute, je change le score. Je serai obligé. Oh, c'est vilain! Ça joue comme il y a 20 ans. 19. 9-10. On dirait Laurent Blanc en vert, là. Il est dans les tribunes. Il est en train de te regarder. Il est parti. Hey. Ah, pardon. C'est vrai à l'époque, c'était pas, c'était plus le cas maintenant. Attention là-bas. On se demande comment il fait ça. 11-10. 11-10. Bien joué, Philou. Alors, monsieur Romar, on va, je vais vous demander de mettre le score à 20 de ce côté-ci, excuse-moi Jean-Michel, comment, et 18 de l'autre côté. Ah, c'est mieux, je préfère. Voilà. Donc 20 ici pour Jean-Philippe, we put the score at 20 and 18 on the other side, 18 de l'autre côté. Non, non, on met à 20, s'il vous plaît. Et je voudrais juste qu'on prenne le temps, ça va te permettre de souffler un petit peu, excuse-moi Jean-Michel, mais de revoir quelques images d'il y a quelques années, donc en 93. La qualité est mauvaise, excusez-nous, mais on a retrouvé des images de... C'était au siècle dernier, donc c'est pour ça que c'est un peu mauvais. En noir et blanc, non ? Tu peux, t'es pas obligé de regarder, effectivement. Et je vous propose de regarder ces images. Il y en a pour une petite minute trente, si vous voulez dire quelques mots, les garçons, allez-y, c'est parti. Alors, la coupe de cheveux a changé, ça déjà... Toujours le même short pour Jean-Michel, par contre. C'était la balle de match, on était à 20-18. Alors, tu tombes comme ça, tu salues Jean-Mi et tu files là-bas. Voilà. Et là, Christian. Alors, on a un moment fort là, on a un moment très très fort. C'était il y a 20 ans, 20 years ago, we had a very emotive moment. Et les fans de l'équipe de
France qui étaient présents. Jean-Mi, je suis navré, mais en voyant ces images, j'imagine qu'on remet un petit couteau dans la plaie, mais c'est aujourd'hui son anniversaire, donc je te remercie en plus de ça d'être là, franchement, au nom de Jean-Philippe, bien sûr, et toute l'organisation. Et je te propose, si tu veux bien, peut-être pas de réécrire l'histoire, mais de refaire cette balle de match, ici aujourd'hui. Et on doit faire pareil ou je peux changer? C'est ça le problème, c'est que je suis pas sûr que tu puisses changer chez lui, comme c'est son anniversaire, il a droit à tout aujourd'hui. Donc je vous propose de rejouer cette balle de match, c'était Jean-Philippe qui était au service. Ouais. Donc on refait tout comme là, quoi. Tout comme là, voilà. Et si on n'y arrive pas, on recommence. De la roulade, je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Par contre, je peux rater le retour, mais je suis pas sûr qu'il va réussir son service. C'est gentil. Alors regardez bien. We do the match point like in 93. The score is 2018. Jean-Philippe is on the serve. Par contre, et 2-2 les 7. Je vais pas dire. Je veux pas dire, mais on se croirait pas en finale des championnats du monde. On n'entend rien, il n'y a pas d'encouragement. Voilà. C'est important, this is the match point. And the public is behind, et le public est derrière. Plus fort. Parfait. Great. Voilà. Match point, we're in. Et jusqu'à ce que ça soit le bon point. Hein. Allons-y les garçons, je vous le dirai. Et tu fais tout ce qui suit derrière, hein, Jean-Pierre. Par contre, si je regagne le point, vous m'encouragez que j'ai pas l'air con à tomber tout seul par terre. On commence. Parce que ça, c'est sympa aujourd'hui de le faire refaire pour lui. Je sais que tu aurais aimé changer d'histoire. Je voudrais juste te poser une question. Est-ce que ça te va comme anniversaire ici de le refaire devant le public français? C'était génial. Il manque la petite cerise sur le gâteau pour moi. Parce que gagner un titre à la maison, c'est exceptionnel. Ce qui fait souvent rêver les athlètes, c'est la Marseillaise sur le podium. Je sais pas si c'est trop demandé. Alors attends, j'ai Fred à la régie, est-ce qu'on peut faire ça pour Jean-Philippe? Est-ce que le public, vous êtes d'accord qu'on aille jusqu'au bout? On va jusqu'au bout. Venez, c'est pas prévu. Merci Fred. Venez les garçons, venez, on va vous placer tout ça. Alors je vais pas avoir les mêmes officiels bien sûr qu'en 93, hein, je suis navré. Merci Jean-Mi de jouer le jeu. Et on va vous laisser aller donc du côté du podium. Voilà, we'll do, because Jean-Philippe is asking for a remake, but he wants to have the Marseillaise, the anthem, the French anthem, in his room here. This is another gift that he's asking for his birthday. C'est encore un cadeau que tu demandes pour ton anniversaire. Mettez-vous derrière, mets-toi derrière la deuxième place, Jean-Mi. On va le faire, we'll do that, the official podium. Cérémonie de remise de récompense des championnats du monde 1993, ici à Göteborg. World Championship men's single award ceremony, Göteborg 1993. Troisième, Emile Debons, third and bronze medal, Zoran Primorac from Croatia. Malheureusement, ils sont partis. Jan-Ove Wallner from Sweden. They are gone, sorry. Deuxième, et médaille d'argent, second and silver medalist representing Belgium, de Belgique, Jean-Michel Sève. First gold medal and world champion. Premier médaille d'or et champion du monde représentant la France, representing France, Jean-Philippe Gatien. Bravo. La cerise, la voici. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais demander de vous lever. Ladies and gentlemen, please stand. Pour écouter, en l'honneur du vainqueur, la Marseillaise, to listen to the French national anthem for Jean-Philippe Gatien. Mm-hmm.
avec les bulles et la photo. Prends Jean-Mi avec toi, c'est comme ça qu'on fait hein, sur le podium. Amène-le avec toi parce que franchement, merci à lui d'avoir joué le jeu. Quelques photos bien sûr pour immortaliser tout ça. Jean-Fi, est-ce que pour un anniversaire, ça suffit, c'est bien ou est-ce que tu voudrais juste rajouter quelque chose pour conclure? Ah oui, on n'a pas fait le... Ah, il manque la coupe. Bon. Il manque non, lui. Je voulais juste profiter de l'occasion pour prononcer quelques mots. La première des choses, c'est remercier profondément Jean-Michel d'avoir accepté de refaire ce remake parce que, et là je parle sérieusement, je sais que cette finale a été assez douloureuse pour lui et on en a suffisamment parlé. Donc merci à toi et je voudrais qu'on fasse une immense ovation à ce grand champion qu'il est. Just wanted to thank Jean-Michel. Thank you for this great champion. Thank you for accepting to do this remake today. Regarde le public de Bercy. Regarde Jean-Louis. La deuxième chose, je voudrais bien évidemment remercier tous les organisateurs du cadeau qu'ils m'ont fait, parce que c'était simplement génial de pouvoir revivre ces moments. J'en suis particulièrement ému aussi pour la bonne et simple raison, c'est que quand j'ai joué en 93, ma maman n'était pas là, elle était devant sa télé toute seule, et je suis content d'avoir fait aujourd'hui ici devant elle, maman, tu m'as gagné, tu m'as vu gagner ce titre de champion du monde, donc je suis particulièrement ému et fier que tu sois là. Merci. Just wanted to thank the organizers also for putting this birthday here today, and in 93. My mother was in front of the television. She was not in Göteborg, and today she's in a room, so I wanted to thank her. Et puis en 93, je n'étais pas encore papa. Mes enfants sont là aujourd'hui, donc je suis aussi fier de pouvoir avoir fait ce match devant eux. Un titre de champion du monde, c'est juste exceptionnel sur le plan émotionnel, mais c'est rien par rapport à tout le bonheur qu'ils m'apportent au quotidien à leur côté. Donc Eva, Hugo, Nathalie, merci, je vous aime très fort. And also thank my family. I was not father when I got the title. There was a lot of emotion, but it's more with the family. Thanks to Hugo, Eva and Nathalie, my wife. Et puis bien évidemment une pensée pour mon papa qui était un amoureux de ce sport. C'est par lui que cette passion a commencé. Il aurait adoré être ici. Il nous a quittés malheureusement. Il c'était un grand ami de la Fédé. Il connaît beaucoup de monde ici. Donc voilà, si tu m'entends. C'était juste un bonheur d'être aujourd'hui ici. Thanks. Et la dernière chose, cette carrière, elle a été immense et elle a été construite en groupe et on en a beaucoup parlé cette semaine. Je voudrais remercier et qu'on puisse éventuellement faire venir trois potes à moi, Patrick Chila, Damien Eloi, Christophe Legout. Les Mousquetaires. Patrick. Damien, si vous êtes là, rejoignez-nous très rapidement. Il n'était pas au courant. Voici Patrick Chila qui descend. Voici Christophe Legout. Je ne sais pas si Damien est encore dans la salle. Il était avec nous toute la semaine. Avec, pour Christophe et Damien, encore une sélection en équipe de France. On voudrait les applaudir très très fort. Ils ont marqué l'histoire du ping français. Patrick et Christophe qui nous rejoignent. On avait pensé bien sûr pour Damien. The Mousquetaires, the French Mousquetaires, they made history for the French ping. He wanted to have them with him. Bien joué, les gars. Voilà, avec voilà. Les garçons donc, qui rejoignent. Et là, je suis content. Et là, c'est ton anniversaire. Merci Jean-Fi. Ça sera l'image de fin. Merci à lui. Bravo pour ce titre. Merci à Jean-Michel. Merci aux Mousquetaires. Merci à vous. Pour cet anniversaire, ce moment particulier, this is a special moment for
the French Ping and for Jean-Philippe Gatien. I wanted to thank everyone, especially also, as he said, his father, who has passed away, and who bring him to the table tennis. Merci, merci messieurs. On va se quitter avec... Envoie-moi un petit peu de musique, Fred. On va se quitter en musique. Merci à vous. Avant la finale du simple, messieurs, before the men's single final. Merci d'avoir soutenu, justement, les joueurs. Et on va, après qu'ils aient fait un petit tour devant vous, remercier encore Jean-Michel Sève et Jean-Philippe Gatien.